Aujourd'hui, 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. 30e célébration de cette importante journée qui nous invite cette année à façonner un avenir des droits en faisant de la liberté d'expression la clé de voûte des droits humains. Cela tombe bien, ce mois de mai 2023 marque aussi le cinquantenaire de la création du quotidien L'Observateur, devenu l'Observateur Palga. Et vous savez quoi ? Édouard Ouédraogo, fondateur et directeur de publication du premier journal de la presse écrite burkinabé, l'invité de cette audience du tribunal de l'actualité. Bonjour, monsieur Ouédraogo, merci d'honorer notre convocation. Merci. En face de vous, les juges Bernard Bougman et Geoffroy Vara animeront les échanges de ce mercredi. Bonjour, juge Geoffroy Vara. Bonjour, président Omondi. Bonjour, juge Bougman. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Oui, bonjour, juge Vara. Bonjour, bonjour président Omondi. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour à toutes. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur TriTV, la télé interactive, ainsi que sur WattFM en simultané, la radio 100% urbaine. Vous nous suivez également sur nos plateformes numériques. Acte 1 de cette audience, les avant-propos des juges que je convoque à présent. De cœur, coup de cœur ou interpellation, c'est le juge Geoffroy Vara qui lance cette séquence des avant-propos. Oui, merci président. Comment ne pas souhaiter une belle célébration aujourd'hui, parce que ce qui est célébré pour moi, c'est ce qui est le fondamental dans notre métier, c'est cette liberté-là. Et puis que vaut le journaliste sans cela, que vaut la qualité de son travail s'il n'y est pas attaché. Maintenant, on est dans un contexte, je me rappelle du titre de Dieu Leu, la presse n'a pas bonne presse au Burkina. C'est le contexte aussi dans lequel nous sommes. On est très jugés, quelquefois avec beaucoup d'éléments qui ne sont pas maîtrisés. Mais on a une presse, il faut le dire, qui est reconnue professionnelle. Je pense que c'est bon de le dire. Maintenant, sur les autres considérations, bon, les débats peuvent se faire, mais je pense que chacun fait son travail aussi en son âme et conscience, et c'est une liberté qui construit, et c'est ce que moi je pense. Et quand on travaille à la garder, on travaille à la préserver, c'est plutôt pour le bien de tous, et ça c'est très important. Donc, bonne fête à tous. Bonne fête à nous tous, à vous et nous, hein, parce que c'est également votre fête, c'est votre célébration, juge Bernard Bougman. Oui, merci, effectivement, c'est souhaiter bonne fête, et surtout à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous encouragent et qui nous conseillent, qui nous donnent de la documentation, qui nous donnent de la formation. C'est très important pour avancer, pour mieux servir ceux ou celles qui nous écoutent ou qui nous suivent chaque matin, pour ne pas dire chaque jour. Voilà. Donc, encore une fois, c'est leur fête, parce que nous sommes d'abord à leur service, avant d'exercer un métier qui, pour nous, est un lieu d'expression de notre passion et de nos convictions. Donc, et en même temps, je saisis cette fenêtre pour dire qu'il y a toujours un dossier qui n'est pas encore jugé, le dossier Norbert Zongo. Ce ne serait pas de trop en cette journée de plaider en sa faveur, parce qu'il fait partie aussi de ceux qui ont fait bouger les lignes au Burkina Faso pour élargir les questions de la liberté d'expression et surtout de presse. Deuxième avant-propos, ça va concerner la SELC, l'Autorité supérieure du contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption. Hier, son premier patron, M. Nyon, au cours d'une conférence de presse, informé que la maison va mal et que d'ailleurs elle va imploser bientôt par l'intrusion. Elle pourrait imploser. Bientôt par, comment on appelle ça, l'intrusion des hommes politiques. Et puis bon, voilà. La réalité, c'est qu'il y a apparemment un malaise avec les collaborateurs, mais en même temps, c'est quelqu'un qui apparemment est en train de quitter l'institution parce qu'il a été élu au niveau de la Cour des comptes de l'UOMOA. Donc il s'apprête aussi à quitter l'institution, mais qui prédit une probable implosion. Alors, Luc Marius Ibriga a fait ce qu'il il a pu. Lui aussi, il est venu avec sa façon de faire. C'est vrai que
la SULC, demander à un contrôleur d'être serein dans un pays, ce n'est pas simple. Ailleurs, d'ailleurs, les contrôleurs sont suffisamment gardés et très protégés compte tenu de la délicatesse de leur mission. Donc, et ceux qui y sont savent qu'ils ne sont pas en terrain conquis, compte tenu, je dis bien, de la délicatesse de la mission et des intérêts qui pourraient effectivement être en jeu. Alors, s'il viendra à quitter, bon vent à lui, et vivement que la SULC ne s'implose pas, parce qu'on en a besoin comme instrument de contrôle pour assainir et moraliser la vie publique. Merci, juge Bernard Bougman. Double ration d'avant-propos donc pour Bernard Bougman. Et je vous le redis, moi encore aujourd'hui, dans notre profession et donc dans ce prétoire, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Cette profession de foi est aussi un contrat entre vous et nous. En ce 3 mai, consacré Journée mondiale de la liberté de la presse depuis 30 ans, nous avons invité le doyen de la presse burkinabé dans le quotidien. L'observateur Palga célèbre son jubilé d'or. Édouard Ouédraogo est donc dans notre prétoire pour nous parler du parcours de ce journal, mais aussi de la liberté de la presse, partant de pluie, partant de soleil, mais avant d'en arriver, et sans doute en restant sur ce même sujet, ouvrons une petite fenêtre de généralité avec les juges. Oui, Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Et moi, je ne veux pas aller trop loin en termes de généralité. Moi, je suis curieux de savoir un peu beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup à apprendre. 73 mai, c'est 28 mai. 28 mai 1973. Voilà, vous fondez le journal. C'est dans quel contexte? Parce que là, on dit que c'est le premier des médias là que nous avons, papier. C'est dit pour penser à ça, le premier, c'est, vous étiez dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qui a concouru à cela? Quel était le contexte? Peut-être qu'on comprendra. Papa, merci d'abord de me faire ce petit cadeau ce matin, parce que pour moi c'est une découverte. Je vous savais, je vous suivais sur les ondes, mais je ne savais pas que vous étiez vraiment un multimédia comme avec des installations comme celle que vous venez d'étaler à mes yeux. Vraiment, je vous félicite pour le travail que vous abattez. Alors, par honnêteté intellectuelle, je dois dire que en matière de presse écrite, l'Observateur n'a pas été historiquement le premier quotidien. Ce qu'il faut dire, c'est que ça a été le premier quotidien imprimé et illustré par la photo. Sinon, avant, bon, il y a eu une expérience avec Boniface Kabore à travers un journal qui s'est appelé d'abord La Nouvelle, puis Kibari. Mais c'était un journal sur feuille volante, là, en A4, renotypé. La nouveauté, la modernité introduite par l'Observateur, c'est d'avoir été un journal imprimé, d'abord privé, imprimé, et illustré par la photo. C'était vraiment notre modernité. Bon, c'est pas sorcier. Dans les années 70, notamment en 1973, sur le plan normatif, c'est-à-dire sur le plan des textes, il y avait une loi qui prévalait, c'était la loi 20AL du 31 août 59 qui permettait à tous ceux qui le voulaient de pouvoir lancer un journal. Et c'est sous l'emprise de l'autorité de cette loi-là que l'Observateur a été créé en 73 pour offrir au voltaïque un espace de liberté, un espace d'expression libre. Voilà. Parce que nous avions estimé qu'à l'époque-là, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici, c'était bon que la Haute Volta, qui avait déjà tenté, qui était en train de tenter une expérience pluraliste, parce qu'il y avait une assemblée nationale avec plusieurs partis politiques, mais sur le plan médiatique, en fait, c'était quand même assez pauvre. Il n'y avait que la télévision, bon, la radio nationale, et puis le bulletin quotidien. Mais c'est des espaces qui étaient institutionnalisés, auxquels l'opposition, les syndicats et puis l'embryon de société civile ne pouvaient pas avoir accès. Nous avons dit non, il y a là un travail à faire, une voie à tracer, et c'est cette voie-là que nous avons ouverte
en mai 1973. Oui, justement, parce qu'on est dans les années 70, vous avez dit la question du pluralisme, c'est important, l'accès pour certaines voix qui forcément n'avaient pas, n'étaient pas à l'aise forcément avec les médias publics, parce que c'est sûr que ce n'était pas les portes les plus ouvertes, mais ça ne se fait pas sans petit risque, ça ne se fait pas sans qu'on soit dans un genre d'inconfort. Est-ce que certains ne nous ont pas dit, mais attention, hein, est-ce que ça là, c'est, vous avez bien pensé votre affaire là, ça ne risque pas d'avoir des problèmes? Bah, là où effectivement il y a eu des mises en garde, c'était pas sur le plan en fait de la liberté de la presse proprement dite, mais c'était sur la viabilité du modèle économique. Okay. Est-ce que c'était vraiment, on pouvait faire vivre dans le contexte économique de la Haute-Volta de 73 là, est-ce qu'on pouvait vraiment faire vivre une entreprise de presse? Effectivement, il fallait avoir les moyens, et je ne dis pas que les moyens on les avait en abondance, mais ceux qui ont lancé cette entreprise-là se sont appuyés sur un industriel qui se trouvait être mon grand frère Martial Ouedraogo, qui s'était lancé aussi et qui avait réussi. Il était le premier docteur en sciences éco, mais il a préféré sortir pour se lancer dans les affaires. Et c'est lui qui avait les moyens et qui a financé le lancement de ce journal. Moi, j'ai contribué au niveau de ce qu'on appelle l'apport en industrie, c'est-à-dire j'ai apporté simplement mon intelligence et lui, il a donné les moyens. Et il avait un groupe industriel sur lequel on pouvait s'appuyer un peu pour les ANCA. En fait, c'est ça qui a quand même permis, un peu de publicité. Non seulement la publicité, mais il a fallu à un moment donné tenir le journal à bout de bras, parce que vraiment la publicité ne suivait pas. Les sociétés étaient en situation de monopole, personne n'annonçait. Et vraiment, les premiers moments, ça n'a pas été facile. S'il n'y avait pas eu ce groupe derrière, je ne suis pas sûr que l'Observateur aurait été ce qu'il... Il aurait connu le parcours qu'il a connu. Ouais. Bernard Bougma. Oui, c'est vrai, là, ça permet d'avoir une idée du contexte d'alors. Alors, le doyen, comme on vous appelle, a pu côtoyer les hommes politiques, a pu aussi s'y tenir à distance, mais très influent dans l'ombre, à telle enseigne qu'on vous prête même les nominations de certaines personnes comme Mbah Michel sous la transition, que vous voulez cette culture de la discrétion. Bon, mais je pense que c'est le d'abord, il y a peut-être une disposition tout à fait personnelle. Peut-être que mon personnage, même dans la réalité, bon, est un peu incline à une certaine discrétion. Je n'aime pas beaucoup l'ostentation. Et le choix que nous avons fait en lançant le journal, en le nommant d'abord l'Observateur, ça, c'était déjà comme une espèce d'angle, une ligne éditoriale qui montrait que ce n'est pas un journal qui voulait vraiment faire trop dans le je sais pas, le tapage, mais dans la discrétion et le sérieux. Observer, on ne peut pas observer si on ne prend pas de la distance. Et prendre la distance, justement, ça suppose justement la discrétion dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, ailleurs, et même sous notre pic de grands patrons de presse comme vous, je précise qu'il n'y a pas de petits patrons de presse. Voilà, sans pour ne pas frustrer les patrons. Alors, des patrons de presse qui ont une longue culture et qui a pu tenir, qui ont pu tenir pendant longtemps, sont parfois appelés à servir en tant que conseiller dans certaines officines. Mmh. Alors, c'est vrai, vous dites que peut-être c'est votre personnalité qui fait partie, qui vous avez préféré la discrétion, mais est-ce que vous n'avez pas été par moment sollicité pour apporter vos conseils, même si c'est dans l'ombre, en tant que conseiller? Je crois que... Que ce soit au Burkina ou ailleurs. À plusieurs occasions, j'ai eu à le dire. On m'a attribué trop de pouvoir. Bon, vous savez... Moi, je pose une question, sans a priori. Moi, je vous réponds, jamais je n'ai été approché pour conseiller qui que ce soit, de manière, en tout cas, formelle, ou même informelle.
On a pu peut-être me demander mon avis sur la conduite de telle ou telle situation, mais me donner, devenir le monsieur qui parle à l'oreille de certaines personnalités comme Mana affublé les attributions, surtout sous le régime Blaise Compaoré, non. Mais ce n'est pas parce que Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir aujourd'hui que je fais justice de cette allégation-là. Je dis simplement que c'est la vérité. Sinon, Blaise Compaoré, je dois dire que je lui dois quand même une certaine reconnaissance, ce qu'on appelle la reconnaissance du ventre, parce que c'est finalement à la faveur de son avènement au pouvoir qu'un certain nombre de choses se sont mises en place. On a été à la démocratisation, au pluralisme. Le pluralisme, évidemment, ça a permis à des journaux comme Le Mien, qui avait été incendié sous la Révolution, de renaître et de s'appeler l'Observateur et de faire le parcours que vous connaissez. D'accord. Alors, dernière question de généralité. Au début, effectivement, vous avez évoqué les appréhensions par rapport au modèle économique. Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va être rentabilisé? Après votre naissance, plusieurs médias sont nés, mais aussi n'ont pas pu survivre. Alors, c'est vrai que vous dites qu'au début, vous étiez adossé à un industriel, c'est vrai, mais même là, des problèmes de gestion peuvent effectivement subvenir. Quel a été le secret pour pouvoir traverser tout ce temps-là et tenir? Bon, je pense que c'est d'abord le sérieux avec lequel nous avons fait le travail. Et il y a aussi, il faut le dire, l'esprit de sacrifice. Parce que c'était quand même une entreprise familiale. Il y a un qui mettait son argent. Celui qui donnait son intelligence se devait de donner l'exemple de la sobriété et de la frugalité. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir des collaborateurs qui ont accepté de manger de ce pain-là. Et je dois reconnaître que à partir de la Troisième République, le journal avait commencé à devenir rentable parce que la publicité avait commencé à venir. Malheureusement, il y a eu les incidents institutionnel que vous connaissez. Il y a eu le coup d'état du CMRPN en 80. Ensuite, il y a eu la Révolution. Mais quand nous avons repris en 91, là vraiment je reconnais que pendant une dizaine d'années, nous avons langé dans une certaine aisance financière. La trésorerie était vraiment très abondante et nous avons été largement rétribués de tout ce dont nous avons souffert la décennie passée. D'accord. C'est la deuxième audience de cette semaine. C'est un mercredi, mais bien sûr, c'est la deuxième audience, puisque lundi, il n'y a pas eu d'audience en raison du jour férié. Nous recevons le doyen de la presse burkinabé. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Et Reporters sans frontières a publié son rapport 2023 sur la liberté de la presse dans le monde, qui indique que, je cite, « l'exercice du journalisme est globalement devenu difficile sur le continent africain où la situation est désormais qualifiée de difficile dans près de 40% des pays contre 33% en 2022. » Fin de citation. La situation au Burkina Faso évoquée, et la situation au Burkina Faso, mais aussi au Mali, est particulièrement évoquée dans cette rubrique, donc cette année, notamment à travers une lettre ouverte signée par 30 organisations professionnelles et médias, dont l'Observatoire Palga. Dont l'Observatoire Palga, dont nous recevons donc le directeur de publication ce matin. Quelle appréciation générale faites-vous, M. Hidalgo, de la situation de la liberté de la presse dans notre pays? D'abord, je voudrais expliquer que je ne pouvais pas, en tant que directeur de publication de l'Observatoire Palga, ne pas m'associer à cette déclaration qui a été faite à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Et pour cause, je peux dire que je fais partie de ceux qui ont été vraiment à la base de la
de la création de cette journée. Mm-hmm. Elle a été créée, enfin l'idée a été lancée en 1991 à Windhoek, la capitale de la Namibie, et l'Afrique de l'Ouest, nous y étions présents à travers la société des éditeurs de la presse privée que nous avions créée un mois auparavant à Cotonou. Et le président en était M. Babacar Touré du Sénégal et moi j'en étais le vice-président. On était donc à Windhoek et il y a eu une déclaration. Et c'est la déclaration de Windhoek qui a été deux années après institutionnalisée par l'ONU et sous la forme la création de la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc, en ces trois mains-là, où un peu partout, il y a quand même des sujets d'inquiétude concernant cette liberté de la presse, nous ne pouvions pas ne pas nous associer à cette déclaration. On ne peut pas s'intéresser, mais la question aussi était l'appréciation globale sur la situation de la liberté de la presse au Burkina. La situation de la presse au niveau du Burkina, je pense que ce n'est pas au niveau tellement du droit, de la loi, que la liberté de presse est menacée. Elle est menacée, selon moi, par cette impunité manifeste dont jouissent pas mal d'acteurs des réseaux sociaux, mais qui crée un climat d'inquisition jamais égalé au Burkina Faso contre les journalistes, contre d'autres activistes de la société civile, contre des partis politiques, simplement parce que ces derniers ne veulent pas, selon leurs détracteurs, s'inscrire dans l'espèce de pensée unique qu'ils veulent vraiment imposer à notre société concernant la conduite des affaires de la cité. Bon, il y a pas mal de nos confrères dont on a menacé d'aller incendier les maisons, dont on a menacé les parents, qui ne sont pour rien dans ce qu'ils font dans leur rédaction. Et je passe évidemment sur certains de nos confrères internationaux comme RFI, France 24, et puis ceux qui ont été expulsés. Donc, en tout cas, il y a de quoi être un peu inquiet sur la liberté de la presse dans notre pays, alors que pendant longtemps, nous étions vraiment un modèle. Oui, on était un modèle, on était le meilleur élève en la matière au cours des années précédentes. Le Burkina avait déjà perdu 4 places l'année dernière dans le classement donc de Reporters sans frontières. Il passe aujourd'hui du 41e au 58e rang mondial en 2023, pendant que la région du Sahel est en train de devenir, selon le rapport de RSF, une zone de non-information. Geoffroy Vara. Oui, c'est vrai qu'on est un peu de plein pied dans le sujet du jour. Il y a un contexte aujourd'hui qui est sécuritaire que l'on connaît. Vous, ce qui est bien, c'est qu'on a l'avantage de vous avoir. Vous avez traversé le contexte, on va dire ça comme ça. Mais la façon dont la liberté de la presse, elle est interprétée, perçue et quelquefois même commentée en termes de possibilités ou de ce qui est permis même aux journalistes, parce qu'il y a une opinion qui nous juge aujourd'hui. Est-ce que ça se comprend? Parce que l'argumentaire qui ressort, c'est que le journaliste ne peut pas penser qu'il est libre comme ça. On est dans une situation sécuritaire. Il faudrait qu'il arrime aussi son travail, sa réflexion au contexte dans lequel on est. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Moi, je comprends. Je comprends d'autant plus que bon, j'ai vécu quand même des situations de crise comme celle que nous avons connue en 1974 quand il y a eu le malheureux conflit frontalier avec le Mali. Mm-hmm. Une certaine union sacrée s'est créée. Bon. Mais on n'a pas imposé à cette époque-là aux journalistes, ou en tout cas à la presse privée, il n'y a pas eu des injonctions, à plus forte raison, des menaces comme ce que nous subissons aujourd'hui. C'est ce qu'on peut peut-être reprocher aux autorités, c'est de laisser faire, puisque ceux qui agissent, qui menacent d'incendier, de tuer
à travers les réseaux sociaux, si vous les écoutez, surtout dans les langues nationales, notamment en Moré, que je, c'est la langue que je connais le moins mal, c'est qu'on les laisse faire. Ils agissent au nom des autorités dont ils desservent d'ailleurs la cause, parce que ce n'est pas du tout productif pour le régime en place. Donc, je pense que c'est cette impunité-là dont j'ai parlé tout à l'heure que moi je déplore. Il faudrait quand même amener ces gens-là à raison garder. Parce que, de toutes les façons, nous comprenons tous la délicatesse de la situation. Et je pense que si on fait confiance aux journalistes, ils savent exactement jusqu'où ils ne peuvent pas aller trop loin. Parce qu'eux aussi, ils vivent la situation. Qui n'a pas intérêt à ce que l'intégrité territoriale soit recouvrée? Qui n'a pas intérêt à ce que les réfugiés retrouvent leur région d'origine? Personne. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait qui pensent qu'ils sont beaucoup, ils sont plus burkinabés que d'autres, et que de manière manichéenne, il y a les bons burkinabés et les mauvais, les ennemis du Burkina et les amis du Burkina, non. Les patriotes et les apatrides. Et les apatrides, là, c'est grave. C'est grave. Je crois que c'est ce manichéisme-là qu'il faut combattre. Et je redis, il faut faire confiance à la presse. Et comme disait Albert Camus, qu'un de mes jeunes confrères a repris ce matin, à savoir que bon, si la presse est libre, elle peut être mauvaise. Il peut y avoir de mauvais journalistes. Mais si elle n'est pas du tout libre, c'est qu'elle va, elle va devenir mauvaise dans son intégralité. Donc on a intérêt à la laisser libre pour que justement il puisse y avoir du bon journalisme qui se fait dans ce pays-là. Oui, Bernard Bourgman. Justement, nous sommes dans une situation délicate parce que l'homme de médias aussi est un homme de la cité qui vit des réalités, qui a peut-être avec lui-même des parents déplacés internes, compte tenu du fait que nous venons tous de régions différentes. Voilà. Mais maintenant, la tendance est de dire il y a un pays à préserver, il faut savoir raison garder, il faut savoir profil bas. Et c'est au nom d'une telle conception des choses qu'effectivement les menaces fusent. La difficulté, c'est que les menaces ne viennent pas forcément directement du pouvoir, mais d'autres officines avec d'autres connexions. Et c'est surtout ça qui inquiète dans notre contexte. Alors, avec l'expérience que vous avez, est-ce que c'est vrai que nous sommes dans un contexte de terrorisme qui est différent des autres contextes que vous avez traversés, mais est-ce qu'il y a eu des cas similaires où, à un moment donné, on a voulu imposer à la presse une pensée unique? Bon, la seule période où, effectivement, institutionnellement, on a voulu imposer à la presse une pensée unique, c'était au temps de la Révolution. C'est la raison pour laquelle, sous la Révolution, les révolutionnaires ont jugé que l'existence d'une presse, d'un journal comme l'Observateur, était incompatible avec la politique d'agite propre, c'est-à-dire de propagande qu'on voulait faire assumer par la presse. Et la meilleure solution a été vraiment de brûler ce journal-là, parce que s'il continuait d'exister, bon, il ouvrait ses pages librement à tous ceux qui voulaient s'exprimer, et tout le monde n'était pas d'accord avec les méthodes de la Révolution, alors que la Révolution voulait que tout le monde se mobilise et pense selon la vulgate révolutionnaire. Il n'y a que pendant cette période-là, effectivement, qu'il y a eu une imposition institutionnelle de la pensée unique. Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que les autorités, en tout cas, ne font rien dans ce sens-là. Mais c'est qu'elles ne font rien contre aussi ceux qui veulent, par les réseaux sociaux, imposer aux journalistes ce n'est plus du journalisme qu'ils veulent que les journalistes fassent, mais qu'ils deviennent tous des communicants, c'est-à-dire des gens qui sont là pour dire ce qui embellit l'image du régime.
ce n'est pas forcément la bonne solution. Effectivement, la différence de ce contexte-là, c'est que nous sommes dans, bon, je ne sais pas s'il faut dire démocratie ou semi-exception dans le contexte actuel. Nous sommes en transition. En transition. Sous la Révolution, c'était un état d'exception. Et puis, c'est clairement exprimé, vous avez dit, c'était une réglementation institutionnelle. Alors que là, on ne l'a pas. Alors, de deux choses l'une, où on institutionnalise cette pensée unique et ceux qui l'ont fait l'assument, où effectivement, elle régule la situation. Mais selon vous, qu'est-ce qui explique ce silence aussi de l'autorité? Bon, je crois que l'autorité doit être embarrassée. Je les comprends. Les autorités sont embarrassées parce que voilà des gens qui agissent quand même, peut-être de bonne foi, parmi ceux qui sont à la place des nations, qui se répandent dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a certainement qui sont de bonne foi. Mais il y a d'autres aussi qui ne le sont pas. Peut-être qu'il y a même les fossoyeurs du régime qui sont là et qui veulent, par leurs outrances, travailler à discréditer le gouvernement, le président et tous ceux qui l'entourent. C'est la raison pour laquelle il faut discipliner tout ce monde-là. On demande, bon, les gens peuvent, on peut manifester librement pour soutenir le jeune capitaine, mais il ne faut pas menacer, injurier, y compris même des autorités, des autorités comme par exemple le Moro Naba, qui n'a rien à voir, enfin, ou du moins, je ne dis pas qu'il n'a rien à voir, mais en tout cas qui n'est pas comptable de pas mal de certains agissements, aller jusqu'à menacer des autorités morales de ce niveau-là, simplement parce que justement, les gens sont assurés d'une certaine impunité et pensent qu'à partir du moment où ils parlent, ils disent qu'ils soutiennent le capitaine Ibé, alors tout leur est permis. Ça, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal, nous dit Edouard Ouédraogo, c'est notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité. Il est le directeur de publication de l'Observateur Palga, un journal fondé en 1973, qui est donc le plus vieux quotidien du Burkina, quotidien imprimé et illustré par la photo, a-t-il tenu à préciser, créé sous le nom l'Observateur et interdit sous la Révolution, donc de 1984 à 1987. Le journal reparaît en 1991 sous l'appellation l'Observateur Palga, ou si vous voulez, le Nouvel Observateur. Vous avez évoqué la période de la Révolution. C'est un journal qui était incendié. Comment avez-vous vécu cette période en deux mots et cette renaissance en 1991 qui a donné une seconde vie à l'Observateur Palga? Bon, je précise que sous la Révolution, le journal n'a pas été interdit. Juridiquement, légalement, il existait. C'est ça. Puisqu'il n'a été que, il était matériellement dans l'impossibilité de publier, de paraître, puisque son imprimerie a été brûlée. Mais sinon, il n'était pas interdit. Mais le paradoxe, c'est que quand en 1989, nous avons pu reconstituer l'imprimerie et que nous avons voulu le prendre, nous nous sommes vu opposer une fin de non-recevoir. C'était presque, enfin, c'était du non-droit. Nous ne sommes pas interdits. Nous avons simplement voulu, par courtoisie, dire ben, il n'y a pas de problème. On avait été incendié. Bon, maintenant, nous avons les moyens de reprendre. On va reprendre. Et voilà le problème. Et nous avons lancé quand même un numéro en 89, en janvier 89, fin janvier 89. Et évidemment, ce jour-là, c'était une explosion de joie extraordinaire à travers les rues de Ouagadougou, parce que pendant longtemps, ce journal-là a été le symbole de la liberté. Et quand les gens l'ont revu dans les rues de Ouagadougou, ils se sont dit, ah là, c'est finalement la liberté est revenue. Et évidemment, bon, on avait compté trop vite sans les rémanences du système révolutionnaire, parce que les gens, ceux qui étaient au pouvoir, le pouvoir du Front populaire a réagi violemment. Ils sont allés jusqu'à couper le courant. Pas le courant, pas par le compteur, hein. Ils ont décroché le fil qui alimentait le journal pour être sûr que nous ne pouvions plus reparaître. Ensuite, ils ont tout fait pour mettre une loi, une nouvelle loi en place
qui nous mettait maintenant désormais hors jeu et qui nous soumettait à une autre, à une nouvelle autorisation de paraître. Et pour avoir cette autorisation-là, on a exigé que nous changions le nom du journal. Et c'est pour dire que nous avons changé le nom du journal que nous l'avons appelé l'Observateur Palga. L'Observateur Palga, c'est un parcours assez difficile, mais c'est un parcours riche. 50 ans maintenant, Geoffroy Vara, on apprend des choses finalement sur la vie et le parcours de ce journal. Et justement, moi je veux un peu comprendre, qu'à la période de la Révolution, lorsqu'on a l'incendie criminel, vous vous dites, avec le recul aujourd'hui, comment vous interprétez toute cette foudre-là à un moment donné? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous arrivez à vous l'expliquer aujourd'hui? L'incendie du journal L'Observateur, ça me rappelle un peu, c'était aussi, je ne dis pas des dérives, mais c'était un peu comme, parce que c'est des gens qui ont anticipé, ceux qui savent aller au-delà, au-devant des désirs des princes. Voilà, on ne leur a pas dit exactement ce qu'il fallait faire, mais ils savaient qu'en le faisant, personne ne leur en ferait le reproche. La preuve est que quand la sûreté a voulu ouvrir, a même ouvert une enquête pour rechercher les responsables, en haut lieu, on leur a dit, écoutez, pour des raisons évidentes, vous laissez tomber. Et nous avons su par la suite quels sont ceux qui ont fait ça. Mais nous savions que, évidemment, ça faisait l'affaire du régime, puisque il avait été question d'interdire le journal par voie d'autorité. Mais certains ont dit, si vous le faites, c'est contre-productif. On va voir. Donc, on a voulu nous étouffer économiquement en disant que désormais, plus aucun service public, sauf la présidence, le ministère des Affaires étrangères, n'était autorisé à s'abonner au journal. Et les services de l'État et ses démembrements étaient aussi interdits de faire des annonces à travers ce journal. Donc, c'était une manière de nous étouffer aussi économiquement. L'incendie a été finalement la solution finale qui a été trouvée. Okay. Donc souvent, quand il y a des situations qu'on ne contrôle pas bien, on arrive à ce genre de dérive-là. Si on ramène la situation que l'Observateur a vécue en 1984 à ce que nous vivons aujourd'hui, quand il y a trop de zèle chez les partisans là, il faut faire attention parce que vraiment, ça peut déraper et de manière vraiment irréparable. Et vous tentez juste après de remettre sur pied, ou bien vous vous dites qu'il faut laisser les choses se tasser, c'est pour ça que ça prend longtemps avant que vous ne le mais on n'en avait pas les moyens. Okay. On n'en avait pas les moyens, mais il faut aussi reconnaître que par stratégie, au plus fort de la révolution, ça n'allait pas être facile. C'était plus stratégique, de faire profil bas. Et quand il y a eu le 15 octobre et qu'on a annoncé une décrispation, des partis politiques se sont mis à se créer librement, nous nous sommes dit il y a quand même les espaces de liberté sont en train de se remettre en place, donc nous pouvons reprendre les publications de notre journal. Oui, Bernard Bourgman. Oui, une question de précision par rapport à l'incendie. Le contexte est à peu près le même, où il y a des zélés, comme on appelle, qui sont proches des princes et qui sont capables de faire des choses inimaginables. Alors, je comprends bien, c'est-à-dire que l'incendie n'est pas commandité par l'État en son temps, mais par des officines qui croient rendre service aux princes. Pas par l'État en tant que tel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une délibération au cours de laquelle on a dit, allez, on va incendier le journal. Mais il y avait ce qu'on appelait les veillées débats, au cours desquels le sort de ce journal a été chaque fois évoqué. Et il y avait aussi chaque samedi des animations, le temps de la révolution, où on en parlait, et on menaçait. Et donc, il y a un climat obsidional qui a fini par se créer autour de ce journal-là. Et ce qui s'est passé là, évidemment, a été induit
par cette ambiance-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les gens sont là, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et un jour, ils vont effectivement passer aux actes. Et aux actes, peut-être qu'ils ne vont pas s'arrêter à chaud. Sous la Révolution, bon, au moins j'ai eu la vie chauve. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Ceux qui menacent effectivement d'incendier, de tuer, on ne sait pas si par fanatisme, ils ne sont pas capables de passer et que nous nous retrouvions avec d'autres affaires Norbert Zongo. Vivement que le dialogue prenne le dessus et qu'on se comprenne et qu'on s'entende. L'observateur, puis l'observateur Palga a traversé bien des péripéties. Aujourd'hui, 50 années d'existence, 50 années qui seront célébrées bientôt, donc à travers un colloque international. C'est prévu le 23 et 24 mai, et avec pour thème les médias traditionnels africains face au développement du numérique, résilience, opportunité et défi. C'est donc un colloque qui nous interpelle, nous tous, et qui nous convoque à nos réalités présentes et futures. Geoffroy Vara. Oui, c'est vrai que c'est bien pour un journal papier de venir sur la question des défis de changement, notamment le numérique. Tout à l'heure, vous disiez, bon, là, on parle du journalisme de façon générale. On voit qu'il y a un travail qui est impacté par des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux pour lesquels on fait beaucoup de confusion, hein, dont les annonces, parce qu'ils sont un peu sur le même terrain, donnant quelquefois des informations, même de première main, même si c'est vrai, c'est pas vrai, quelquefois faisant de l'analyse. Voilà, il y a plein de choses. Aujourd'hui, pour ce qui est du média papier, c'est plutôt que les gens, je ne dirais pas qu'ils ne lisent pas, mais acheter le journal, ça devient beaucoup plus compliqué. Et l'observateur l'a senti passer aussi, c'est sûr. Laissez-moi rire pour ne pas pleurer. Oh là là, c'est la descente aux enfers. Vous savez, bon, c'est un mal qui atteint la presse mondiale. Nous ne faisons pas exception, sauf que peut-être dans les pays développés, ils ont su effectivement trouver des parades. Mais ils n'arrivent quand même pas à compenser la chute vertigineuse pour certains journaux des recettes de la publicité et des recettes de vente. L'exemple étant le quotidien le plus prestigieux du monde, c'est le New York Times, là, qui actuellement en la matière vraiment boit du noir. C'est pas l'observateur qui ne va pas pâtir de la situation. Nous avons vu, nous aussi, évidemment, puisqu'aujourd'hui s'est installée une certaine culture de la gratuité. Bon, les gens, même par paresse intellectuelle, ils ne veulent plus tellement lire. Et comme je dis souvent, il en est de la monnaie comme de l'information. La mauvaise monnaie chasse la bonne. La mauvaise information chasse la bonne. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde est journaliste sur les réseaux sociaux. Bon, chacun débite ce qu'il veut et finalement, c'est ça d'ailleurs que les gens aiment consommer parce que souvent ça flatte leur bas instinct. Ils préfèrent ça plutôt que d'aller lire des éditoriaux ou des enquêtes bien contextualisées avec une grande valeur ajoutée. Ça n'intéresse plus tellement les gens. C'est le peuple à consommer là, mais qui n'est pas forcément de la bonne information. C'est peut-être la malbouffe. Ça peut déboucher sur des atteintes cardiaques et autres. Bon, donc voilà ce qu'il en est de l'information aujourd'hui. Tout le monde est atteint, à commencer en tout cas par le support papier. Commencer par le support papier, Bernard. L'alternative, c'est vrai que les gens lisent de moins en moins, ça c'est un constat qui est général. Mm-hmm. Mais par rapport à la stratégie aussi, c'est comment on quitte le papier au tout numérique. Bon, ou bien on fait les deux. Pour le moment, beaucoup de médias burkinabés font les deux, mais ailleurs, maintenant, il y en a qui ne font que des ventes en ligne. Alors que pour un quotidien aussi, c'est pas aussi simple. Ce n'est pas facile parce que bon, là où cela se fait, les gens payent. Vous faites allusion par exemple en France, à la France, aux États-Unis, un journal comme ceux qui s'occupent de l'information boursière. Bon, et
il peut vendre en ligne parce que vraiment c'est des informations croustillantes de première main que tous ceux qui boursicotent veulent voir. Ils sont prêts à payer. Et là-bas, la monétique est développée. On lance la chose par une des accroches ou des chapeaux aux attrayants. On donne le menu. Et si vous êtes intéressé, vous chargez, vous avez votre carte. On vous dit c'est 6 euros. Bon, vous tapez, vous validez et on vous ouvre l'information. Nous n'avons pas ces possibilités-là. Pour le moment, c'est encore la gratuité. Demandez à notre confrère, enfin le premier en ligne, le faso.net. Personne ne paye pour lire. Donc, tant qu'on ne payera pas pour lire, je ne vois pas comment nous allons pouvoir capitaliser, rentabiliser nos produits en ligne. Nous avons des produits en ligne, mais ce n'est pas évident. Et la publicité ne suit pas toujours. Est-ce que ce n'est pas le virage qui n'a pas été bien négocié en son temps? Parce qu'effectivement, vous lisez un article, on vous dit pour continuer, vous donnez 6 euros, 5 euros, vous payez et vous continuez pour lire la suite. Sinon, on ne donne pas. Alors qu'ici, effectivement, à un moment donné, vous cliquez, c'est gratuit. Sans compter ceux d'ailleurs qui scannent le journal et puis qui... Oui, il y a le digital. Le digital qui est venu encore. Une seule personne, il prend tout le journal, il scanne, il envoie à un groupe WhatsApp et puis tout le monde l'a. Mais là, il y a quand même, techniquement, on peut bloquer, on peut limiter les dégâts. Oui. Parce que nous avons un produit digital qu'on ne peut pas partager. Mais si c'est le PDF, effectivement, on peut le partager. Tout à fait. On peut le partager. Mais la fragilité de la situation, c'est que la monétique n'est pas développée ici. Ouais, si vous annoncez et vous dites, mettez 200 francs et vous lisez la suite. Comment il paye les 200 francs? Alors, le logiciel coûte horriblement cher par rapport au marché. Pour installer ce logiciel-là, ça demande de l'argent. Et pour combien d'utilisateurs? C'est ça là le problème. Oui. Je vois, hein. Combattre. Mais moi, ce que je vois, la question de Bernard, elle est très intéressante parce que il y avait un modèle à revoir. Peut-être tout comme dans les années 70, lorsque l'Observateur venait sur Burkina, beaucoup vous disaient, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que le modèle peut tenir? Il y avait un modèle aussi à repenser parce que regardez, nous, les télés, on nous regarde gratuitement à la maison. On était obligé de trouver une solution. C'est-à-dire que le monde maintenant est en train de fonctionner autrement. C'est-à-dire que vous êtes rétribué sur ce que vous engagez en termes de vues. Comment est-ce que vous êtes lu, vu, cliqué et tout. Donc c'est ça que vous vendez aux annonceurs. Vous dites voilà comment on me clique. Et donc voilà. Donc ça veut dire que ça devient difficile de vendre l'article. Mais plutôt de rendre ça assez libre pour dire on est très lu. Et donc. Par conséquent, nous sommes un espace. Voilà. Très lu. Et là, ça veut dire qu'il faut repenser le modèle. Mais c'est bien déjà que vous l'ayez inscrit en réflexion, parce que ça va beaucoup aider. Ok. Ça va beaucoup aider. C'est l'Observateur Palga. On reçoit son directeur de publication, le doyen Edouard Hidraugo. L'Observateur Palga, qui a donc 50 années d'existence. Le premier numéro est paru donc le 28 mai 1973. Il y a un an qui n'était pas né. 50 années pour un journal, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Et pourtant, l'Observateur tient toujours la route malgré les difficultés et malgré la concurrence. Edouard Hidraugo. Bon, évidemment, si on m'avait dit il y a même une dizaine d'années qu'on fêterait ce cinquantenaire-là dans la morosité, j'aurais dit non, parce qu'il n'y avait pas de problème. Pour nous, l'avenir était quand même, on le voyait en rose. Mais tout n'est pas perdu, hein, vous savez, bon, c'est toutes les activités de ce genre-là, surtout culturelles, connaissent des hauts et des bas. Des difficultés que nous avons aujourd'hui, nous pensons que nous allons nous relever. Nous allons nous relever. Mais sinon, effectivement, ce cinquantenaire-là devrait, en principe, ça devrait être une espèce d'apothéose pour nous. Bon, ça ne le sera pas, sur le plan, en tout cas, des festivités, parce que nous allons le faire vraiment dans la simplicité. Non seulement parce que, bon, la situation économique de l'ensemble du pays est ce qu'elle est,
mais surtout la situation sécuritaire n'incite pas du tout à la fête. Mais si nous avons voulu quand même faire quelque chose, c'est dans l'esprit de résilience dans lequel se sont inscrits des activités comme le FESPACO, comme le CIAO, comme la société, la Semaine nationale de la culture qui est en train de se dérouler à Bourreau. Parce qu'il n'est pas question de tout laisser tomber, parce qu'en ce moment, on ferait vraiment le jeu de ceux-là qui veulent vraiment qu'une chape obscurantisse s'apesantisse sur notre pays. Et bon anniversaire encore à l'observateur Palga qui est en dehors de ce colloque international qui se tient les 23 et 24 mai prochains. Il initie une action caritative en faveur des personnes déplacées internes. Ça sera le 25 mai. Et puis il y aura ces journées portes ouvertes le 26 mai. Allez donc à l'observateur Palga pour comprendre et pour voir comment les choses se passent et aussi pour visiter l'exposition photo qui vous est qui vous sera offerte. Notons cette interpellation du secrétaire général des Nations Unies pour terminer en ce jour du 3 mai et journée mondiale de la liberté de la presse. Je le cite, cessez les menaces et les attaques, cessez de faire prisonniers et de maintenir en détention des journalistes qui ne font que leur travail, cessez les mensonges et la désinformation, cessez de vous en prendre à la vérité et à celles et ceux qui la font jaillir. Le monde se tient aux côtés des journalistes qui osent défendre la vérité. Fin de citation. Faisons donc ensemble de la liberté d'expression et de la presse un moteur efficace de tous les autres droits humains. Cette audience du tribunal de l'actualité s'achève. Nous avons évoqué le jubilé d'or du quotidien L'Observateur Palga en cette journée mondiale de la liberté de la presse avec Edouard Ouedraogo, fondateur et directeur de publication de ce titre. Merci, M. Ouedraogo, d'avoir honoré notre convocation. Vraiment, merci de m'avoir donné l'occasion à cette journée internationale de la liberté de la presse d'échanger avec vous, de partager avec vous des préoccupations qui sont communes à l'ensemble de la presse et surtout à l'ensemble des citoyens burkinabés. Merci au juge Geoffroy Vahat. Merci. Merci. Merci, juge Bernard Bougman. Merci, président. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de TriTV, pour votre fidélité et pour votre attention. Force et courage à nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades. Et en ces temps troublés, retrouvons chaque matin cette grâce infinie de nous réveiller en bonne santé. Prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, même heure, même antenne, avec un maillot toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.